Bonjour Candide Tevex pour la Freeride TV. Pardon, excusez-moi. On aurait pu se prendre pour Candide. Ben non, c'est Cyril pour la Freeride TV en direct de Méribel. Je viens de passer sur les nouveaux Candide 3.0 qui a été revu. Un ski qui reprend toujours bien sûr un cambo classique. Pas mal de rockers ici qui démarrent assez progressif. Et un gros rocker arrière aussi qui démarre sur cette partie-là. Alors, particularité des Candides, c'est d'avoir toujours un ski hyper confort en toute neige. Et moi, ce qui me fait toujours halluciner quand je monte sur un Candide, c'est qu'on peut aller droit dans du trafolé. Ça absorbe tout de l'avant, c'est un ski qui absorbe tout, c'est hallucinant. Et puis on arrive sur du dur, là on a des parties un peu glacées sur la piste, ça a un grip, une accroche de folie. Ça se manie bien, ça reste vraiment un super ski freestyle, assez polyvalent. Alors la particularité de ce 3.0, et j'ai pas fait attention, on l'a pris, il nous a dit que c'était nouveau, tout ça, sans trop nous expliquer. Et franchement, en skiabilité, j'avais l'impression d'avoir à peu près l'équivalent de l'année dernière, il était en 108. Et en fait, en regardant, je vois qu'il est en 112 cette année. Et honnêtement, je ne l'ai pas senti sur la neige dure. Voilà. C'est-à-dire que sur la poudreuse, le ski, il était top. Et c'est pour ça aussi, je pense, gagner un peu avec le 112 au patin en termes de portance en poudre. Et quand on arrive sur la piste, sur les parties dures, il est étonnant de skiabilité. On n'a pas l'impression d'avoir un 112 au pied. Franchement, on a l'impression de continuer à skier un 108 avec toujours beaucoup de confort, beaucoup de maniabilité. Bref, ça reste toujours un excellent ski freestyle, parmi les meilleurs certainement. Et si vous voulez vous prendre pour Candide Tovex, moi j'ai plus l'âge, vous pouvez acheter ce ski.